Et plop les gens. De retour sur Yoku's Island Express. Vous entendez peut-être mon chat qui fait des griffes dans mon dos. Enfin sur un carton dans mon dos. Bois du gorille. Alors par contre, ça commence à faire un bout de temps que j'y ai pas joué. Vu que j'ai plus d'un mois en fait, avec les fêtes, tout ça, j'ai dû... J'ai fait d'autres choses. Livrer tous les colis en retard, aller voir Willow au village et... Ça on ne sait pas trop ce que c'est. Je sais pas pourquoi j'avais le souvenir de vouloir aller là, visiter sous l'eau. Y c'est le bouton du haut, oui. Alors, quête sans fruits. Ah oui, je peux l'aspirer avec les grosses gâchettes, les limaces. Je peux plonger avec A. Ces sports veulent se développer dans un endroit froid et isolé, loin de l'agitation de la jungle. Ok, c'est d'être en haut. Je peux maintenant voir tous les oscillons de la colline aux essences de la carte, tous les oscillons des profondeurs qui s'alignent sur la carte. Une babiole remplie de bestioles effrayantes. Une babiole suivant. Sointant d'icor noir. C'est quoi? C'est un morceau étrange d'une étrange statue. Un seau vide parfait pour rapporter de l'eau potable. Je me souviens pas de tout ça. Un cela peut-être. Mais la statue, l'eau potable, non. Colis pour Queen Bee, mais celui-là, je crois qu'il fallait que je me déguise en abeille pour pouvoir me faire accepter. Donc, et je sais pas comment on fait. Quoi, en question doivent être livrés aux trois chefs. Il en manque un du coup. Un vieux badge servant d'identifier le postier. Les oscillons et drones de radicine apportés. Chance à celui qui les trouve. Et sac de courrier. Oui. Ah mais du coup sur la carte on voit les boîtes aux lettres si elles sont remplies ou vides. Ok. Bon, on va aller à gauche et puis tant pis si je devais faire autre chose. Ah oui là je peux passer au sous-sol. Je maintienne. Je me souvenais plus qu'il fallait que je maintienne. Je le faisais peut-être en automatique, mais... Et du coup, cette ligne, où est-ce qu'elle va? Elle va... Elle retourne au village. C'est censé aller à gauche. D'ailleurs, j'ai oublié de vous remettre les manettes. Enfin, la manette. Alors, est-ce qu'ici c'est un endroit intéressant? Non, quand on sera là-haut à gauche, je pense que je retomberai. Tant pis si je fais pas tout ce passage. Non, c'était pas là. Alors les lettres. Voilà. Et là, faut que j'aille tout à gauche. Je peux commencer par aller tout à gauche et puis j'irai sur le... Sur cette lettre, boîte aux lettres après.
non, je peux pas. Tant pis. Quoi? Attendez. Attendez. Quoi j'ai... Mince. Bon, quelques tours de manège, mais... C'était un secret ou c'était juste des fruits? C'était juste pour montrer qu'il y a un passage là. Oui. Et là on peut pas aller à droite. Oh si, on peut y aller. À gauche. Si je commence à confondre ma gauche et ma droite, et ça ne sert pas à grand chose. Alors où est-ce que ça nous mène tout ça? Je suppose que le jaune nous emmène au même endroit, oui. Vous avez du courrier! Oh! Je viens de m'installer sur cet arbre. Hirsute. Le souvent qui habitait avant moi a oublié un osillon. Je n'en aurais aucune idée. Tu peux le prendre. Merci. Oh, bonjour, agent de la poste. Tu viens pour les ragots? J'ai entendu dire que le jardinier aux limaces en pince sérieusement pour les limaces. Pour ses limaces. Quand les moines de l'espace se sont installés au pic d'Ivoire, un crapaud particulièrement nostalgique a quitté son vieux territoire. Je me demande si le crapaud est toujours là-bas. Un inventeur aigri réside dans l'outre-terre. D'Optenium raconte que personne ne peut entrer dans son laboratoire. La reine des abeilles de l'Alpiligne est assez sectaire. Seules les abeilles peuvent l'approcher. Un jour, j'ai vu le squadeur voler au-dessus de Mokumana. Un arc-en-ciel sortait de son arrière-train. J'entends. Ok. Ça a l'air d'être une boucle et non pas des aléatoires. Donc, on a l'air d'avoir tout vu. Et plop, JKX Wing. Merci pour ce GLHF. Pourquoi il y a un pixel de large là? On dirait qu'il n'y a pas grand chose quand même. Ah, là ça a l'air de rebondir. Évidemment, il y avait un secret de l'autre côté de là. D'ici. Hé, hey, bousier! Les visiteurs se font rares sur ce récif.
Nous avons bien eu quelques âmes perdues qui ont égaré leur trésor en chemin. D'ailleurs, ils sont peut-être encore dans ces eaux. Ah non, pas d'autre. Ok, alors... Ah, j'ai pas exploré une tâche au milieu. On va pas laisser du nuage sur la carte comme ça si facilement. Alors qu'on peut l'enlever si facilement surtout. Voilà. Il n'y avait pas d'île cachée, il y avait... On s'y attendait pas du tout. D'ici, je pourrais reprendre la ligne et voir pour m'arrêter par là. C'est bizarre, le trou est énorme entre les deux. Alors que je peux prendre l'alpine. Hey, il y a un secret ici. Pas qu'un secret. Ah. Ici, il faut une masse qu'on pourra atteindre ici. Voilà. Une belle récompense pour être revenu au départ au final. Et on a aussi la récompense de savoir qu'il y a des choses cachées, donc. On n'a pas pu accéder. Alors ici. Non, ici on a. On a vraiment rien de spécial. Ah, c'est le deuxième. Ah. Fallait pas s'arrêter. Yes.
salle à droite, il n'y a pas grand chose d'intéressant pour le moment. Même si normalement on devrait tomber, voir ce qui se passe. Mais vraiment aller à droite, ça m'intéresse pas plus que ça, j'avais bien exploré. Alors que là j'ai des nouvelles zones. Non. On va continuer ici. Ouais, je peux pas trop y aller pour le moment. Ah, inventeur occupé, ne pas déranger. Justement, on vient de me parler d'un inventeur. Je sais pas lire. Je veux qu'on me laisse en paix. Va-t'en. J'ai emménagé ici pour vivre en solitaire. Je ne veux voir personne, pas même un agent de la poste. Ok. Oh.
J'espère que tu es tranquille comme ça. Tu es tranquille chez toi. Huch. Et là, on peut descendre ici. En espérant que mon chat ne fasse pas trop de bêtises en montant sur mon bureau. Ce qui n'est largement pas gagné. Je n'en ai que 6. Non, c'est mon verre d'eau. C'était une grande gamelle remplie avec plein d'eau. Vous avez obtenu un champignon vénéneux. Quiconque le mangera tombera dans les pommes pendant un long moment. Bureau pas fait pour les chats. Ok. Oui, je peux pas non plus aller exactement là où je veux. Pas grand chose d'intéressant en fait. Enfin, j'ai des fruits, mais c'est tout. On a quand même pas réussi à monter là. Non, ici j'ai pas grand chose à faire. Je vais remonter au village. J'étais plus très loin. Arbus.
Ah, lui. Dommage. À pêcher. Oh, mais lui, il est pas content. Bon, les pattes, ce badge est destiné au postier suprême. Tu dois d'abord terminer toutes tes tâches avant de pouvoir prétendre à ce titre. Bienvenue dans l'antre magique de Willow le Magnifique. Tu as pris la bonne décision en venant ici, camarade Sakarabe. J'en déduis que tu acceptes de m'aider. Avant toute chose, va placer le morceau que nous allons trouver à proximité de la cascade sur le bloc. Quoi ? Alors l'eau potable, ça c'est une fausse mission. Un bloc. Ah, il s'agit d'un puzzle laissé par Mbaba l'humble, mon rival. Même son nom témoigne de sa médiocrité. Oui, Willow le Magnifique et Mbaba l'humble. Mbaba ne s'est jamais satisfait d'une deuxième place. Un jour, il m'a lancé un défi prétendant qu'il se téléporterait au terme de ce dernier. C'est avec stupéfaction que j'ai assisté à la téléportation de Mbaba à la fin du duel et personne ne l'a revu depuis. Tout ce qu'il a laissé derrière lui, c'est une statue du grand Mbul. Avant même de pouvoir l'examiner, elle s'est brisée en quatre morceaux qui ont volé à travers l'île. Je pense pouvoir percer le secret de téléportation de Mbaba en rassemblant le reste des morceaux. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Allez, excellent. Alors tu seras mon bras droit. Aide-moi à résoudre ce puzzle. Et le contenu de ma mystérieuse malle sera à toi. Ok. Heureusement qu'il y avait les petits trucs là en bas pour que je... Pour me motiver à regarder. Quel désastre, en jugé par les blessures de Mokma. Cela ne fait aucun doute. C'est un acte du déicide. La marque en est la preuve. Elle a déjà expiré une grande quantité de l'essence de Mokma. Yoku, Lyoku. Invoquer la puissance ancienne des inférieurs et essayer de retirer la marque. Il va vraiment faire un truc. Cela ne fonctionne pas. Les ténèbres sont trop puissantes. Tu dois rassembler les autres chefs avec leur aide. Nous devrions pouvoir sauver Mokuma. Oui, mais... Tu devrais continuer à chercher les autres chefs. Cela ne présage rien de bon pour nous s'il arrive malheur à ton sien. Ah oui, non, il y en avait trois à chercher. Lui, il était là de base. C'est un plaisir de te voir, Yuku. Je n'ai pas vu de salle depuis de nombreuses années. Tu as dû avoir du mal à trouver le lieu secret des inférieurs. Ce n'est pas étonnant que Boon ne soit pas là. Les moines de l'espace sont particuliers. Escalade les pics d'ivoire ne sera pas facile, mais convaincre Boon de suspendre ses tâches pour aider Mokuma sera encore plus difficile. Ok.
T'as vu, magnifique. Savais-tu que l'entrée de la colline aux essences se trouvait de l'autre côté de la cascade? Un peu plus bas, on trouve la vieille route menant aux grottes des inférieurs. Ça me semble bêtement vu d'ici, mais ça l'est. Oui. Moi, c'est lui. Allez hop. Parfait. Un colis pour Arbus. Mais Arbus ne vit plus ici. Nabi, qui vit sur le récif, est une proche d'Arbus. L'ancien saura peut-être où Arbus a déménagé. Ok, on va suivre le colis. Pour le moment. Arbus, hein? Sur les pics d'ivoire au début des pistes, je crois, sur une colline voisine de la mine d'Optenium. Pourquoi quitter ce rivage ensoleillé pour un endroit pareil? Ça me dépasse. Ok, je vois à peu près où c'est. Je vois à peu près où c'est. Donc, je peux aller en bas. Est-ce que... Non, là, souvent, on le voit pas. Je peux aller tout en bas pour essayer de faire le truc du mage, mais c'est un peu ridicule, je trouve. Du coup, bah, je vais remonter et faire les pics dans le bon sens, cette fois. Avec les galères dans le bon ordre, tout ça, tout ça. Ça devrait bien se passer. Donc je reprends l'alpine et je m'arrête au niveau. Je m'arrête après avoir fait le double looping dans la terre. N'empêche, les musiques sont bien. Hein. Voleur, cette musique. Je l'associe pas trop au singe, mais pourquoi pas. Voilà, le prochain, voilà. Et là, on descend. Et on va vers les pics d'ivoire. Le pont est comme neuf, teste-le. Bien entendu, ce chemin ne mène que vers les pics d'ivoire. Tu n'y trouveras que de la neige et des moines de l'espace. Eh ben ça tombe bien.
coup, on débloque la cinématique en allant dans le bon sens et tout. Gros tronc. Lui aussi, il a la marque. Non, n'aie pas peur. Rien de tout ça n'est de ma faute. Je m'appelle Gros Tronc. Je protège les plus faibles. La tragédie a frappé comme l'éclair. Une créature maléfique a foncé sur nous sans que je ne puisse l'arrêter. Ensuite, l'obscurité. À mon réveil, j'avais de graves blessures et je portais la marque du déicide. Pire encore, les tout petits. Je reste ici à pleurer mes amis, le tronc rongé par le chagrin. Même le soleil ne m'atteint plus. Ce bosquet est sous l'emprise d'une malédiction. Seul le chagrin perdure. Avant, cet endroit était synonyme de beauté et de paix. On t'aurait souhaité la bienvenue, Scarabée. Alors... Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. Plus haut. Oui, vas-y. Parfait. Je sais pas ce que je... Est-ce donc un œuf intact? Savoir qu'au moins un des petits a survécu réchauffe mon cœur en bois. La vie l'emporte toujours, succès. Tu as toute ma gratitude d'ancien, toute l'énergie qu'il me restera à la protection de cette nouvelle vie. Amener l'œuf survivant à Gros Tronc. Ah, le succès c'est bien l'œuf survivant, c'est pas les œufs. C'est pas le premier. Ouais, non, j'ai pas envie de tomber sur la gauche. Est-ce que là, du coup, je monte tout en haut? Oui, et je peux passer par là. Oui, je fais nimpe. Ah. Faut réussir à arriver d'en bas et on aura un petit raccourci. T'as vu une autre phrase? Le retour de cet œuf doit être un signe. Il reste de l'espoir. Même pour ce bosquet maudit. Ok. Non.
Ah oui, non. Ah non. Ah oui, mais non. Non, merci. Et plop le barbu, comment vas-tu? Bah, c'est la première fois que je visite cet endroit. Je ne suis encore jamais allé dans les pics d'ivoire. Jamais. Alors, phare de Tingien et sanctuaire des boules de suie, piste des pics d'ivoire. Ouais, le jeu c'est cool. Moi aussi ça va. Je me souviens même pas savoir demander ça, mais tant mieux si je l'ai fait. Si je voulais regarder ça vite fait. Ah ouais, quand même. Si, dans le phare. Il y a pas trop de trucs roses dans le phare, donc je sais pas d'où je vais le gagner, le pouvoir du rose. Un rat. Ces boules de suie malfaisantes sont parties se cacher. Elles travaillaient dur dans les mines et ramenaient plein de saleté chez elles. C'est l'heure de leur bain, mais elles s'en sont doutées. Elles se sont cachées. Tu veux bien m'aider à retrouver mes boules de suie? Il y a 6 boules de suie qui se cachent en haut. Je vais garder l'eau chaude pendant que tu vas les chercher. Aide-moi et je te donnerai une belle récompense en échange. Tu l'avais dit que tu trouvais le système de flipper relou pour tirer. Oui, un petit peu, mais sans que ce soit injouable. Hein, je sais pas. Juste que des fois, t'es dans un flipper et tu retournes en boucle aux deux mêmes endroits parce que t'arrives pas à aller là où tu veux. Mais pour se balader à plat, c'est bien. Et le scarabée, t'es ici pour le pèlerinage? On est sur le point de partir. On va escalader les pics d'ivoire et visiter le temple des moines de l'espace. Je m'appelle Tilo. Celui qui est trop habillé, c'est Jamja. Le froid là-haut l'inquiète un peu. Celui qui est grand et pas bavard, c'est Homme. Ne t'inquiète pas, Homme est très sympathique. Bref, on va bientôt partir. Rejoins-nous si tu veux. On va suivre la voie des pèlerins indiquée par les rubans rouges. On n'a pas d'équipement supplémentaire, mais si tu vas parler à Tunguska, le gardien du phare, je parie qu'on peut trouver une solution. L'équipement supplémentaire, ça va être le truc rouge là. Ah oui, les boules de suie, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Genre là. On va voir si je réussis à aller là où je veux, dans des temps raisonnables. Voilà, déjà je vais pas plus à gauche, plus à gauche. Ok, j'ai une boule de suie. Oui, bah du coup je suis allé dans le mauvais sens, hein, mais j'ai activé des cinématiques, là les trois gars je les ai vus tout en haut avant de les voir ici.
Ah. Ah oui, toi. Le poisson. En vrai, j'y arrive mieux que... qu'avant. Pas mentir. Et mince. Oula. Je me suis loupé. Je croyais quand même pas que j'allais t'oublier. Il y en a un d'ailleurs sur la paroi extérieure. Ben, faut voir si les cinématiques et tout, c'est pas 100% bloqué, mais en tout cas, moi, je vais plus me souvenir de ce qui avait été dit, quoi. Apparemment, j'ai un seau d'eau, faut que je récupère de l'eau. Donc, on va voir ce que ça donne. Oh non, ça a pas pris. Allez! Oh! Tout ça pour l'exploser! Trop bien! Alors maintenant. Ok. Ok, c'est bon, j'ai réussi. Ah, ça va. Boum m'a demandé d'observer le ciel. Nous avons bientôt lancé notre vaisseau spatial. Le vent faible et le ciel bleu sont des conditions parfaites pour le lancement. J'espère juste qu'ils arriveront à régler les problèmes de moteur avant que l'on rate le coche. Oui. Alors j'en ai combien? 6. On m'avait dit 6. À droite. Oh putain. Je vais descendre par la gauche. Mais apparemment, faudrait descendre par la droite aussi. Et là, si je tombe... Ouais, c'est pas ouf. Quoique... Non, c'est pile poil entre tout. Je vais pas tenter. Oh! Laisse de boule de suie. Vous avez obtenu la laisse de boule de suie. Grâce à cette vieille laisse, les boules de suie vous comptent parmi leurs amis. Trouver ta propre boule de suie. Quoi? Ok, c'est loin. La quête secondaire, celle-ci là? De l'équipement d'escalade? Aide-moi avec mon problème de boule de suie et je verrai ce que je peux faire. Qu'est-ce que tu attends? Mets une boule de suie dans le bain et je vais bien la frotter. What? C'est des boules blanches maintenant. Regarde ces adorables boules de suie. Comment pourrais-je leur en vouloir? Je vois que tu respectes les boules de suie. Pour te remercier de ton aide, j'aimerais t'offrir ma vieille laisse de boules de suie. Prends-la avec toi dans l'habitation.
t'as des boules de suie. Prends-la avec toi. Dans la butte, t'as des boules de suie de la forêt grive éternelle. Si tu as la laisse en main, les boules de suie te guideront dans ton voyage vers les pics d'ivoire. Enfin, elle l'aurait été si tu ne l'avais pas déjà prise, n'est-ce pas? Considère donc ça comme ta récompense. Ouais, mais... Là, sur la droite, j'ai pas été. Et... Bon, tant pis pour les bananes. Trop bien. Non, mauvais bouton. Alors là, c'est plus moi qui ne sais pas appuyer sur les touches comme il faut que qu'une critique du jeu. Ok, lui me faisait remonter. Pour la peine. Ah oui, non, d'accord. Dégoûté. Wouhou! Mais non, faut pas passer par là. Et du coup, je suppose que je vais pouvoir faire du lasso avec les boules de suie à cet endroit-là. Alors, oui, non, je pouvais faire juste ça. Ah oui, le lasso qui pourrait emmener tout en haut à droite. Donc les pics. Non, c'est bon, y'a rien. Attention, chute d'optanium devant. On travaille ici. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai fait ce truc là au final. Tant qu'il reste des trappes ouvertes, d'Optanium ne pourra pas passer. Suis les panneaux et ferme les trappes. Si je vais là, non je peux pas. Ok. Est-ce que ça me fait m'envoler? Un peu. Bon, apparemment le puzzle c'est quand même reset. Donc ça va. Alors oui, je vais aller à droite. Pour le moment, je n'ai pas déjà donné son courrier à la personne. Ah, oh, presque. En plus, un colis? Lance-le ici. Merci, agent de la poste. Il est un peu en retard, mais ce n'est pas grave. Voici pour te remercier. Ich. Vous avez obtenu le Squadder. Cette créature arc-en-ciel pond des œufs qui apparaissent dans des bulles apportant chance à ceux qui les éclatent. Bah, j'aurais pu speedrunner le jeu, mais à la limite, pendant une première run, c'est un peu compliqué. Ok, ça c'est l'alpine qui emmènera au sommet, ou qui reviendra des sommets comme on veut. Oups. Voilà. Mais j'ai refait le... Alors pas au même endroit. Pas exactement, on va dire. J'aurais dû accepter au lieu de vouloir repartir tout de suite. Mais j'ai refait un...
un chiant mouvement sur la plateforme, du coup ça marche pas bien. Me mettre là quand même, quoique. Et voilà. J'avais bel et bien fait au moins là, celui d'avant. Mais oui, le jeu doit être pété au moins avec ça. Parfait, les deux trappes sont de nouveau fermées. Va envoyer de l'obtanum vers le haut. Fais bien attention à reculer si tu ne veux pas te faire happer en même temps que. Oui. Je voulais me faire happer, mais en fait. Je voulais me souvenir c'était quoi ce. Cette épreuve ici. Oui. Oui, voilà. Voilà ce que je disais, Barbu. Je suis peut-être très mauvais moi-même, mais. Un œuf. Lâchez un œuf. Que c'est comme ça qu'on va à cet endroit-là. Et oh punaise. Je vais en profiter tant que je suis là pour donner mes petits osions. Ah non, c'est pas comme ça qu'on fait. Tant pis, t'inquiète, je faisais à peu près la même. Oui, mais voilà quoi, c'est quand t'es en stream et que tu te dis bah ça fait 6 fois que je bourrine le même mur, c'est moins cool. Mais quand t'es en solo, ça n'enlève pas. Ça n'enlève rien au jeu. Non, pas par là. Ah, le poisson est toujours là. Alors. Lui, il m'a déjà dit. J'ai plus la pression. Oui, même si c'est pas vraiment une histoire de pression. Mais c'est. T'as l'impression que tu fais pas non plus du bon gameplay et tu vois que t'avances pas alors que. Pour pas grand chose, quoi. Récolter les minéraux volants est une tâche ardue. Ce qu'on renverse est perdu pour toujours. Ok, et effectivement j'avais commencé par faire par lui dire hey, c'est moi que t'as qui te parlais tout à l'heure. Ah bon, bah non, personne m'a parlé tout à l'heure. On suit les drapeaux.
Alors. Ici, je peux aller en bas. De toute façon, je peux pas aller ailleurs, en fait. Un petit peu loupé, mais pas trop. Il y a un habitant de boule de suie, un habitat de boule de suie dans la grotte droit devant. Les boules de suie sont assez sauvages. Elles ne laissent personne s'approcher à part Tunguska, le gardien du phare. Tunguska a l'air frêle, mais à l'époque, ses vieilles branches grimpaient au sommet des pics d'ivoire, rien qu'avec une boule de suie et un bout de ficelle. C'est lui qui te parlait à l'interphone avant. Oui, sauf que ben moi, il m'a dit oui, c'est moi qui te parlais. Merci de m'avoir aidé. Alors que ben il me parlait pas à l'interphone avant, je l'avais pas encore vu. À ce moment-là, vu que je venais d'en haut. Vous avez obtenu une boule de suie en laisse. Maintenez LT ou RT tout en volant près des plantes carnivores pour les agripper. Relâchez pour lâcher. Je vais aller à droite. C'était en bas que je voulais, mais pourquoi pas. Oh les bâtards. Cacher un oisillon ici. Ouais, nouveau gameplay que j'attends depuis longtemps du coup. Je me fais tease depuis longtemps plus exactement. Tout ça juste pour ça, mais au moins ça montre que j'ai réussi à viser en 3 essais. Oula, nimp. Choisir une gâchette et la garder. Non. Oh. Oh, en plus j'aurais pu. Il n'y a jamais le temps du coup. Et je me demande si cette boule de neige au fond de l'eau, faut la casser aussi ou pas. Genre comme ça, ça aurait pu. C'est la suite. Mais j'ai pas pris toutes les bananes. Et vu que là je suis un peu pauvre en ivoire argent. Lui il me dit rien. Essayer de faire un coup vers le bas là-dessus et puis après. Après on pourra s'arrêter. Oh non. Bon. On va dire que ça ne fonctionne pas, mais c'est peut-être que. Peut-être que j'avais pas assez de force. Mais tant pis. Bonjour toi, comme ça. Les autres sont devant. Premier arrêt, le camp de base. Ça va être compliqué à partir de maintenant.
Mais non, on a nos amis les boules de suie à partir de maintenant. Hop là, tu vois. Par contre, j'ai pas pu m'arrêter. La piste des forêts écrivent éternelles. Content de voir que tu as décidé de nous rejoindre, Yoku. C'est la première fois que je vois quelqu'un grimper avec une boule de suie. Je suppose que Tunguska a déjà fait les présentations. Bon, on va encore hisser quelques marchandises, mais ça ne t'arrêtera pas. On doit rejoindre le camp de base le plus vite possible, alors vas-y. Ok. Oula. Non, 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 non. Non, putain. Quand on a un peu d'élan. La balle est pas facile à stopper, hein. Je sais pas quelle touche il a pris. Oula. Voilà. Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-ci. Que j'ai un peu loupé. C'est passé à rien. Ouais, ouais. Surtout que j'aurais dû refaire l'enchaînement des trois d'affilée, là. Bon, je commençais à le maîtriser à la fin, mais quand même. Et d'ailleurs, du coup, j'ai les trois Yoku. Yoku, Laili, Yoku, Island, Express, donc c'est celui-là, et l'autre. Du coup, je me demandais si je me ferais pas le... au moins le 2D, vu qu'apparemment il est mieux que le 3D. En stream un jour. Alors, pas tout de suite, hein. Je vais déjà finir celui-là et j'ai quelques jeux de gestion qui m'attendent, mais comme prochain jeu d'aventure plateforme, je ne sais trop quoi exactement pour les autres après Céleste sûrement. D'ailleurs, faut que je m'y mette vraiment à Céleste. Ça fait un bout de temps que je l'ai acheté, mais j'ai pas pris le temps en stream. Alors, t'as dit quoi? Faut que je le fasse aussi, pareil qu'il est cool, oui. Le 2D, hein, parle. Le 3D, apparemment, je sais pas. Après, peut-être faire le 3D de mon côté, ou... Enfin, commencer le 3D de mon côté. Ou juste pas du tout, je sais pas. Bon, en vrai, ici... Ok, je sais pas pourquoi je croyais que j'arrivais pas à monter assez haut à droite. Alors que non. Oui, mais c'est la même famille, rassure-moi. Rassure-moi, c'est les mêmes développeurs. Entre Yoka et Yoku. Je me suis pas encore confondu juste parce que ça a trois lettres en commun. Encore trois lettres, c'est beaucoup par rapport à d'habitude. Le 2D, oui, le 3D, je l'avais fait dans mon quoi, ça pas, même pas incroyable non plus, ok. Bon, je vais peut-être en faire un bout dans mon coin, si c'est sympa. Puis quand ça va me saouler, j'arrêterai. Voilà, il faut réussir ça trois fois. Super. Un en deux. Et là, ça tombe pile poil. Non, bon, j'ai eu peur. Après la cinématique, bah t'es dans les ronces. C'est pas la même licence, oui, bah voilà. Moi je pensais que c'était le même univers, la même licence, mais
pas la même série, quoi. On va dire. Oh, il y a un coffre là. J'aurais dû me jeter sur la droite, mais on va dire plus tard. Ça se trouve, il me manque encore des choses. Donc là, le passage secret qui est déjà développé, débloqué. Non, je vais la jouer réglo. Je viens de vérifier, les deux c'est édité par Team 17, mais c'est pas les mêmes devs. Bah voilà. Moi qui ai toujours cru que c'était la même licence, la même, les mêmes devs, tout pareil. Faire le monastère des moines de l'espace. Alors juste là, il y a une petite tête qui dépasse. Alors, ici il y a un truc. Ok, oh là là, il y a un petit à sauver juste au-dessus. Je sais pas trop comment l'atteindre. Aucune idée de comment l'atteindre. Pour sauver l'Osion, juste la caverne au-dessus de là où je suis. Donc là, on tape ça, je suppose, avec le rond qui aspire et qui repousse. Là, on a la limace. Et on peut monter. Après, dans l'idée, on est censé pouvoir aller à droite, mais on voit pas trop ce qui se passe. Et à gauche, on peut taper pour les fruits, on remonte. Et on a un flipper qui nous libère tout en haut. Je sais pas si je vais tout en haut ou si je vais à droite d'abord. Ok. Les animaux dans les deux, mais c'est pas les mêmes persos. Ouais, mais la patte graphique est relativement proche. T'es sérieux? On sait faire comment? Comme ça. Alors on ne dit pas tout simplement. Parce que ce sont des mensonges. Ah, trop tôt. Tu vois, je pensais que le scarabée là qu'on contrôle, c'était juste un pote de Yoka, le dragon vert de l'autre épisode. Alors là, est-ce que je vais essayer d'aller à droite ou je vais à gauche? Non, je vais essayer d'aller à droite parce que oh punaise. Oula. Parce que si je réussis, j'ai un osion à la clé en haut. Et pas une énorme punition à se louper, juste à refaire ça. Il prend 3 heures à chaque fois, mais... Trop à la verticale. Plus à gauche ou plus à droite, je l'aurais eu, mais non. Trop à la verticale. Ah! Ah! Ah bon.
Si d'ailleurs à droite, j'avais fait le truc ou pas. Ouais, je suis passé à travers le pont, c'est pas pratique. Des points pratiques. Oh. Bonjour la chouette. Ok, il y a un truc magique ici. C'est pas là le... Non. Du magicien, c'est un peu plus loin. Ouais, j'ai peut-être une version buggée du jeu. Mais en gros, j'étais arrivé là. Et je... bah, j'avais fait tout ça dans l'autre sens, mais... Au boulot, les abeilles. Succès. Oh, au-dessus de sa tête. Genre, j'avais fait ça la première fois. Et j'étais arrivé à celui d'en haut, à gauche. Y'a pas un objet que t'as laissé un peu à gauche de l'endroit pour faire l'oisillon? Un objet... Attends, de toute façon je vais retourner. Pour le moment je m'occupe pas trop des endroits où... Je pourrais m'arrêter. Il n'y a pas un objet que tu as laissé un peu à gauche de l'endroit pour faire l'oisillon. J'ai l'impression d'avoir vu un truc sur la carte, mais c'était peut-être un... Ben, y a tout ça là, toute la partie gauche que j'ai pas encore faite. Mais ouais. Je suis ici pour obtenir du guano, mais il n'est pas assez frais. Mais je vais trouver une solution. Un instant. Sauf que ça, j'aurais pas dû l'avoir comme dialogue, je crois. J'aurais dû d'abord tous les retrouver genre là. Ou là, je sais plus. Juste en dessous de la loutre, t'as un coffre. Un coffre là ? Pas de coffre. Il y a un truc à fruits, mais il n'y a pas de coffre. T'as vu un corps sur la carte? À moins que la loutre ce soit pas ce truc-là. Ah, t'es sur le tel. Ouais, petit écran. Non, c'est ça là. C'est le truc de fruits. Pas de soucis. On va dire que j'étais au courant, mais j'ai essayé de faire l'oisillon d'abord. C'est même pas ce qu'il faut faire. Si, taper ces trucs là. Ouais, c'est bien. Joue tout seul. Ah, dommage.
J'ai pas trop compris ce que ça faisait ces trucs là, ça me donne des... Ça me donne plein de fruits, c'est ça? Non, même pas. J'ai pas trop compris ce que ça me donnait le truc qui chie des arcs-en-ciel là. De la thune en plus, oui, ok. Parce que là, 217, 200... J'ai l'impression que tous ne me rapportent pas de la thune en plus, en fait, c'est surtout ça. Mais c'est peut-être parce que la thune met un peu de temps à s'ajouter. Ouais, ouais, ça ressemble à des fruits. Mais j'avais dit non parce que j'ai eu l'impression que le compteur ça s'incrémentait pas. Juste qu'il avait l'air un peu lent. Non, c'est pas par là. Animation, ça empêche de bien que ce soit réactif quand tu joues et que oula. Et que c'est compliqué comme ça. Bon, quand enfin j'y arrive. Non. Ouais, là j'ai bien vu. Ah mince. J'ai l'impression qu'il faut que je le refasse. Tu peux lever le droit en amont de l'arrivée de la balle pour faire tremplin et aller à celui gauche si je me souviens. Oui, je crois que ça dépend un peu de la vitesse que t'as, mais oui. Sur les vrais... Flipper, ça le fait un peu mieux quand même. Mais bon, ouais. C'est aussi parce qu'il y a le scarabée qui ralentit. Allez. Je déclenche une guerre de Corona. Il se chie dessus du sang. Ok, ça a l'air de plus faire grand chose. Ça pue beaucoup plus que ce que je ne pensais. Oh, tu l'as ramassé comme ça, hein? On dirait que tu sais t'y prendre avec le guano. Alors je vais retourner au camp. On se voit là-bas. Effectivement, on voit des petites crottes. Je sais pas ce que ce truc l'a activé. Ok, donc j'ai toujours pas réussi à prendre cet osillon. On va réessayer un petit peu.
GG pour le caca, merci. Non, on s'en fiche maintenant, on veut plus aller là. On veut aller ici et... Oh. Non. Non, non, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. Et je suis en train de me rendre compte que ça fait 1h30. Alors que je pensais faire une vidéo d'une heure. Donc on va s'arrêter avec Tosillon. Dès que j'ai un point de sauvegarde cohérent. C'est-à-dire pas ça. Là on est d'accord quoi, je vais pouvoir remonter. Oui, et j'ai des bons réflexes. Est-ce qu'il y a des choses? Oh, il y a des choses. Coucou, petit insecte. J'ai chipé cette carte dans la cachette de Spina. Ce n'est qu'une fois avoir fait tout ce chemin que j'ai réalisé que je ne savais pas comment la lire. Elle est censée afficher l'emplacement de chaque coffre sur l'île de Mokumana. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Je veux bien me séparer de ma carte trésor pour la maudite somme de 300 fruits. Oui, oui, tiens. On n'a pas assez. Reviens quand tu auras assez de fruits. Ok. Et là, on est d'accord qu'il n'y a pas grand chose d'utile. Vous obtenez une cosse sèche remplie de semences fraîches. Alors oui, on peut faire ça. C'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire pour aller en bas. Ouh, ça va être compliqué. C'est cher, mais ça vaut le coup. Oui, on est d'accord que la carte au trésor... La carte au trésor en vaut le coup, mais... J'ai pas les tout. Bah non. Et voilà la sauvegarde. Je sais pas comment atteindre ce coffre, d'ailleurs. Pour le moment. J'espérais me faire éjecter, attraper le truc rose là au vol et faire un demi-tour en vitesse pour aller voir le coffre, mais apparemment ça ne fonctionne pas. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis